J'ai 7 enfants, dont 3 qui sont devenus autistes. Maintenant que j'ai étudié davantage de choses sur la vaccination, je comprends qu'il y a un lien entre cet autisme et la vaccination. Des vidéos contre les vaccins, il y en a énormément sur Internet. L'argument c'est souvent « Oui, c'est pas naturel, on sait pas ce qu'il y a dedans, genre pourquoi mettre de l'aluminium sinon pour intoxiquer les populations ?» Alors, est-ce que c'est vrai? Sait-on seulement ce qu'il y a vraiment dans les vaccins qu'on nous injecte? Parce que moi je ne sais pas pour vous, mais je connais plus la liste des ingrédients derrière un paquet de céréales que celle d'un vaccin. Avec ma tarte, on va étudier le rôle de chaque ingrédient et voir quelle est la cause des problèmes induits par la vaccination. Vous allez voir, c'est fascinant. Qu'est-ce qu'il y a dans un vaccin? Vous connaissez le principe du vaccin. On prend un virus, on le désactive et on te l'injecte. Techniquement oui, un vaccin c'est une piqûre de virus mort. Mais ça marche. Votre corps détecte le virus ultra affaibli, apprend à le combattre, et quand t'as le vrai virus balèze qui arrive, ton système immunitaire est déjà prêt pour lui foutre une grosse raclée. Ici, le virus atténué est le composant thérapeutique du vaccin. Maintenant, ton virus atténué, pour le transporter, il faut principalement de l'eau. Oui, techniquement, de l'eau et rien besoin de plus. Mais voilà, un vaccin, c'est un produit industriel. Donc oui, il existe bien des usines à vaccins. D'ailleurs, ça ressemble à ça, hein, cadeau. Comme pour TBN ou ta pasta box, le produit doit être conservé, transporté, puis vendu. Il faut donc éviter que ça se dégrade, et c'est pour ça qu'on ajoute plein d'autres éléments chimiques. J'avais raison, les vaccins c'est pas bio. Oui alors non, heureusement que ces trucs soi-disant nocifs sont là. D'abord, les conservateurs. Le vaccin, on te l'injecte dans le corps, donc vaut mieux que ça soit pur et sans bactéries. En 1916, des centaines d'enfants vaccinés contre la typhoïde ont été contaminés par un staphylocoque qui s'était développé dans le liquide du vaccin. Les conservateurs sont justement là pour éviter ça. Avant les années 2000, un de ces conservateurs était le thiomersal. Et ce qui est pas cool avec lui, c'est qu'il contient du mercure toxique. Même si les études ont montré que ce n'était pas dangereux à dose aussi infime, par prudence, ce n'est plus utilisé aujourd'hui. Enfin presque, on en trouve encore dans les antivenins et vraiment quelques rares vaccins old school contre la grippe. Aujourd'hui, les conservateurs sont plus naturels, par exemple le 2-phénoxyéthanol qu'on retrouve dans le thé vert ou la chicorée, les insecticides aussi. Deuxième ingrédient, les stabilisants. Les stabilisants, eux, vont servir à maintenir la qualité du vaccin. Et c'est pas des produits terrifiants. On parle de sucre, de lait, de blanc d'œuf et de gélatine. Alors, je sais, vous n'avez pas envie de vous piquer avec de l'actimel, mais les doses sont infimes, c'est juste pour que les virus du vaccin soient bien. Troisième ingrédient, les agents inactivateurs. Comme on vous le dit, les vaccins, ça reste quand même des virus. Donc certains vaccins, pour éviter qu'ils se réveillent, commencent à se multiplier, puis à foutre le sbeul, on va ajouter un produit pour le calmer direct. Commence à me parler poliment. Le produit inactivateur par excellence est malheureusement très controversé. C'est un cancérigène avéré, le formaldéhyde. Alors si vous voulez un nom qui fait moins peur, c'est le formol, le liquide pour conserver les animaux morts. Bon, bah, on en trouve absolument partout, même le corps en produit, à tel point que l'air que nous respirons est saturé de cette substance. C'est l'un des produits polluants numéro 1 dans l'air des maisons. Il y en a aussi dans certains vaccins, mais bon, tellement moins que dans tout ce que vous trouverez autour de vous, donc inutile de paniquer. Quatrième ingrédient, les excipients. Et c'est là que ça commence à chauffer. Le but des excipients est de renforcer l'efficacité des vaccins. Il y a des vaccins, quand tu les injectes, le corps il panique pas trop, il se dit « Oui, bon, ce virus, ça va ». Mais si on met des éléments agressifs dans le vaccin, le corps va se mettre dans un état d'inflammation, la panique générale. Tout ton système immunitaire va débouler sur le champ de bataille, s'entraîner contre le faux virus, et c'est là que le vaccin va être efficace. A la base, pour les excipients, on utilisait un peu n'importe quoi, comme des miettes de pain ou du tapioca. Je suis sérieux, on injectait du tapioca. Pour remplacer ça, on a trouvé quelque chose de très très efficace, qui marche super bien, et c'est l'aluminium. L'aluminium, c'est un métal lourd, comme le mercure ou le plomb. Le corps l'élimine très bien, mais il y a quand même une petite partie qui va rester dans les os, le foie et les poumons. Et c'est ça qui inquiète. Sauf que bon, on t'injecte pas du papier d'alu. En réalité, c'est une autre molécule. Cette molécule, c'est du sel d'aluminium. Et le sel d'aluminium, il y en a plein de différents. Hydroxyde d'aluminium, phosphate d'aluminium, sulfate d'aluminium, chlorohydrate d'aluminium, etc., etc. Celui utilisé dans les vaccins, c'est surtout l'hydroxyde d'aluminium. Lui, il est présent dans la nature sous forme de roche, comme la pierre d'Alun, que vous connaissez sûrement comme cosmétique. Si vous avez déjà mis du déodorant, ce que j'espère, sachez-le, vous avez pris la maxi-dose de sel d'aluminium. Car oui, l'aluminium ça fait peur, mais c'est un des éléments les plus abondants de la couche terrestre.
Fatalement, on en trouve un peu partout, dans tout ce que vous mangez, même dans le lait maternel. Si vous donnez un biberon de lait industriel, vous donnez autant de sel d'aluminium que ce qu'il y a dans un vaccin. Injecter de l'aluminium en quantité aussi infime n'a donc rien de criminel. Quels sont les effets secondaires dangereux des vaccins? On l'a vu dans la partie précédente, oui, les vaccins ont déjà tué. Le cas le plus impressionnant, c'est l'accident de Cutter. Encore aujourd'hui, c'est considéré comme l'un des plus grands désastres pharmaceutiques de l'histoire des États-Unis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En 1955, les vaccins du laboratoire Cutter contre la polio contenaient la polio. Les virus, censés être désactivés, ne l'étaient pas vraiment. Plus de 40 000 infections, des bébés morts-nés, des paralysies, des décès, ça a été une catastrophe. Mais voilà, aujourd'hui, les normes de sécurité des vaccins sont drastiques. Plus de staphylocoques qui traînent, plus de virus non désactivés. Et pourtant, certaines personnes semblent encore mal réagir au vaccin. Premier cas, douleur et paralysie. Imaginez, vous venez de vous faire vacciner contre l'hépatite B, ce qu'un simple vaccin, une formalité, mais soudain, vous commencez à vous sentir fatigué. Vous avez mal aux muscles, aux articulations, vous perdez la mémoire, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'on appelle une myofasciite à macrophage. Le premier cas est détecté en 1996 avec comme premier suspect le sel d'aluminium dans les vaccins. Sauf qu'on est sûr de rien. En fait, on n'est même pas sûr que cette maladie existe. En effet, au total, on observe le phénomène que sur 400 personnes et quasiment qu'en France. Ça serait donc une maladie française. Bizarre. Par exemple, le syndrome de Guillain-Barré. C'est une grave maladie neurologique qui entraîne des paralysies et peut être parfois fatale. Il est provoqué par une dysfonction du système immunitaire. C'est suffisant pour que quelques paranoïaques hurlent sur tous les toits que les vaccins en sont la cause. Un premier groupe de chercheurs a montré en 1976 que le risque d'attraper le syndrome de Guillain-Barré après un vaccin était un chouïa plus élevé. Puis, entre 2000 et 2009, une autre étude a montré qu'au contraire, les vaccins nous en protégeraient un peu. D'où l'idée que la cause pourrait être ailleurs que dans les vaccins et son aluminium. Peut-être une allergie à l'aluminium. Le problème, c'est qu'on ne sait pas trop par quoi remplacer le sel d'aluminium. Le candidat numéro 1, c'est le phosphate de calcium, mais il reste moins performant que l'aluminium. En tout cas, c'est ce qu'en disent les labos. Il y a énormément de flou sur le sujet, et c'est normal, on ne veut pas créer de mouvement de panique. Si les gens arrêtent de se vacciner par peur, on ne se limitera pas à 2, 3, 4 fatigues. C'est des millions de victimes potentielles. Deuxième cas, l'autisme. C'est une phobie qui persiste dans l'imaginaire collectif. L'idée que les vaccins provoquent l'autisme naît d'un énorme scandale qui s'est déroulé dans les années 1988. Des chercheurs, avec une vaste étude sur des milliers d'enfants, ont réussi à prouver que le coupable de l'autisme était les vaccins. Attendez, j'ai dit vaste étude? Ah ben non, ils ont examiné 12 enfants. L'étude est portée par un certain Andrew Wakefield. Et son travail ne dit absolument pas que c'est lié, juste que c'est possible. Ça aurait pu s'arrêter là, mais une fois publié, la machine médiatique s'embrase. Et Wakefield sent le filon. Il s'empresse d'organiser des conférences de presse, et devinez ce qu'il dit, il y a un réel lien entre l'autisme et la vaccination. La nouvelle est jetée au lion. C'est le départ de l'incendie qui mettra des années à s'éteindre. Parce qu'en fait, tout est faux. Bah ouais, on a quand même refait une étude pour vérifier. Au Danemark, entre 1999 et 2010, c'est 6500 enfants qui ont développé des troubles autistiques. Les chercheurs ont alors comparé le nombre d'enfants autistes parmi les vaccinés et parmi les non-vaccinés. Résultat, pas de différence. Aucune étude n'est parvenue à mettre en lumière un quelconque lien entre autisme et vaccination. Tout ce que vous avez entendu sur l'autisme et les vaccins, ça part de ça, de cette étude bidon. Le journal l'ayant publié s'est même rétracté et excusé auprès de la communauté scientifique, 10 ans après la publication. Mais bon, c'était déjà ça. Wakefield a été interdit de pratiquer la médecine au Royaume-Uni et a même été renié par ses pairs. Pas le choix, il a émigré aux États-Unis. Alors pourquoi Wakefield a fait ça? La thune? Juste la thune? Probablement pas. La gloire peut-être d'avoir fait une grande découverte et d'être enfin reconnu. Mais surtout la thune. Parce que faut pas oublier que le gars a été payé par un cabinet d'avocats, mandaté par les familles d'enfants autistes, afin de leur faire gagner un procès contre les fabricants de vaccins. Le truc, c'est qu'un procès contre les grands laboratoires, ça peut rapporter gros. Par exemple, le procès contre les laboratoires pour les victimes du Mediator, c'est 115 millions de dollars d'indemnisation. Le Mediator était prescrit pour des victimes de diabète de niveau 2, mais aussi comme coupe-faim. Et pour des millions de personnes... ça s'est très mal passé. Ah, du coup, il y avait de l'argent à se faire.
Déjà, Wakefield avait constitué une société dans le but de commercialiser des tests et il prévoyait d'en tirer 72,5 millions de livres par an au Royaume-Uni et aux USA. Soutenu par Donald Trump et de nombreuses autres victimes, Wakefield reçoit un fort soutien financier lui permettant de mettre leur cause sous le feu des projecteurs. Du coup, qui est le comploteur dans l'histoire ? Plutôt les laboratoires ou plutôt les millionnaires soutenus par le président des États-Unis ? Troisième cas, l'affaiblissement génétique. Sachez-le, l'ADN humain est en partie viral. Nous vivons car nous avons des virus en nous. Il y a 50 millions d'années, un animal a été infecté par un virus et il l'a intégré en lui. Ce virus, dans son ADN, lui a donné la possibilité de fabriquer la protéine à l'origine du placenta. Le placenta, c'est le liquide qui vous a permis de vous développer dans le ventre de votre mère. Sans ce virus, pas de placenta, pas de mammifères, donc pas d'humains. Ces virus dans notre ADN ne provoquent pas de maladie, ils sont non pathogènes. Mais peut-être qu'à un moment de l'histoire, il était. C'était peut-être la grippe de l'époque qui a permis d'améliorer le matériel génétique des humains. C'est là la théorie soutenue par certains. En empêchant les virus, on empêche l'évolution. Certes, en laissant mourir des milliers de gens, on participe à une certaine sélection naturelle. Les plus forts survivent. Mais est-ce que c'est vraiment le genre d'idéologie qu'on veut encore en 2020 ? Pas sûr. Alors oui, la vaccination n'est pas parfaite. Il y a des risques et des effets secondaires, comme n'importe quel médicament ou opération médicale. Ce qui est dingue, c'est que la France est reconnue pour avoir une des meilleures médecines au monde, mais aussi une des plus grandes communautés anti-vaccins. Et vous, quel est votre avis sur les vaccins ? Laissez un petit commentaire pour partager votre opinion. Pensez à vous abonner si vous souhaitez toujours plus de vidéos de science. Merci à Spike pour les recherches, c'était pas facile. C'est un sujet quand même assez dense, assez chaud et faut pas dire de bêtises. Ce que j'espère qu'on n'a pas fait. Normalement, ça devrait aller. Merci de nous avoir suivis. Allez les amis,